Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Mass Effect sur PC. La dernière fois on s'est arrêté après avoir battu la matriarche Benetia et j'ai fait le chemin jusqu'au périphérique. Et donc là il y a un dialogue qui s'est déclenché, on va tout de suite continuer. Le LMU doit connecter des dizaines de systèmes. Si nous ne savons pas exactement... Le commandant a raison, on ne peut pas foncer tête baissée. Cette Liara de Sony, la fille de la matriarche, c'est une experte des protéins, non? Ouais. Sauf que sa mère bossait pour sa reine, elle aussi, je parie. Si Benetia a fini par nous aider, peut-être pourrons-nous convaincre Liara. Non mais depuis quand c'est vous qui prenez les décisions? Vous voulez devenir commandant à la place du commandant ou quoi? Tout le monde est dans la même équipe, Williams. Elle donne juste son point de vue. Désolé, commandant. C'est une mission difficile, tout le monde est à cran. Vous devriez... Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? Passez-les-moi, Joker. J'établis la Ce rapport est exact, commandant? Vous avez trouvé des rachnies sur nos... Et libérer leur reine. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Combien de générations leur faudra-t-il avant qu'ils n'envahissent la galaxie? Cette reine est différente. Elle a compris pourquoi sa race a été éradiquée la dernière fois. J'espère que vous avez raison, Shepard. Sinon, les enfants de nos enfants en paieront le prix. Nous attendons votre prochain rapport, commandant. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi, oui. Non, on est déjà de retour dans... Attendez... Où est-ce qu'on est, là? Ah, on est sur Normandie. Bah tiens, j'avais pas vu. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il nous reste plus que deux quêtes à faire. Alors, va-t-on sur Artemisto ou va-t-on sur Féroce? J'ai une idée, on va déjà aller... sur Féroce. Donc Féroce sur la planète Terum. On était sur Noveria. Adieu Noveria. Bonjour Terum. Alors Terum, Féroce, Terum. Oula, le son est un petit peu fort. Envole-toi. Et allons sur Féroce, tout simplement. Ah non, attendez, deux secondes. Peut-être que je me trompe. Attendez une seconde. Est-ce que je me serais trompé depuis tout le temps? Où est-ce que c'est Terum? J'ai perdu Terum. Mais je me rappelle avoir vu une planète Terum. Mais j'y étais pas allé parce que je pensais que c'était une quête et je pouvais pas ressortir de la planète. C'est Féroce ou Terum finalement? Non, allons-y. Allons-y, allons-y. Ah non, Terum c'est autre chose, d'accord. Va falloir que je m'en occupe alors de Terum. Alors. On y va. À moins que Terum c'était sur Artemisto. Attendez. Je crois vraiment que c'était sur. Enfin, je sais plus. Si, je sais plus. Allez, on reprend comme d'habitude Garrus et Tali. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Alors, à quoi ressemble cette zone? Escalier vers les tunnels. On va visiter un peu, hein. Ah, un dialogue de David Altal. Talanagi. Nous avons vu votre vaisseau. Faidan veut vous parler immédiatement. Qui est Faidan? Notre chef. Il a besoin de votre aide pour préparer en haut des escaliers de l'autre côté du transporteur. Attention! Attention!
Bah alors. Bon. C'est joué. Voilà. Voilà qui est bon. Attendez, je peux pas passer par là ? Bizarre. Ah, encore un stalker gate. Allez, monsieur le stalker. Ah non, c'est un sapeur. Première fois que j'en vois alors des sapeurs. Ah, niveau supérieur, nice. Mettons des points. Des points. Voilà. De nouveaux objets. Un fusil UM, est-ce qu'il est intéressant? Oh, très intéressant pour lui. On va l'équiper. Ah, il n'y a pas de... Ah non, celui-là, il y a des dégâts. Et voilà, on va mettre un nouveau mode. C'est beau, j'ai entendu un bruit. Descends dans les tunnels. Assure-toi que personne ne passe. Les guettes sont de vrais maîtres. Je suis bien content de voir des... Préparez-vous. Si on ne meurt pas de soif avant, les guettes finiront par... Vous croyez que c'est facile de cogiter quand ça pète dans tous les sens? Ah, j'ai jamais dit ça, hein. Les guettes vont tous me tuer. Non mais non, mais sois pas si pessimiste, toi. Les guettes ne doivent surtout pas... Repousser les... Ils vont arriver d'un instant... Je dois terminer ce travail. Ok, donc je peux pas les activer moi-même. Le zouz... Hop, donc on va aller là-bas pour essayer de voir Faidan. On va faire... Enfin, non, il faut qu'on regarde à l'intérieur avant. Donc j'espère que le son est bon, que la qualité de l'image est bonne, qu'il n'y ait pas trop de freeze ou de lag. Comme d'habitude. Les guettes préparent une nouvelle attaque. Je peux reprendre ici. Ici rien. Plus loin ici. Là, là, repose-toi. Détends-toi, ça. Mes migraines. C'est ému. Les guettes. Bonjour, étrangère. Ça fait plaisir. Repose-toi, ma chérie. Tu es encore un peu faible. Mais ils doivent savoir que... Oui, tu as raison. Vous avez besoin d'aide? Je... vais bien, merci. Elle n'a pas l'air blessée. Mais manifestement, elle souffre. Je vous en prie, elle a besoin de repos. Laissez-la dormir. Ma femme a... Quand je pense à tout ce qu'on a perdu, j'ai vraiment mal. Ravi de vous rencontrer, commandant. Il était temps que les secours arrivent. Vous arrivez un peu tard, vous ne trouvez pas? Arcelia. Pardon, commandant. Tout le monde est un peu sur les nerfs. Attention! Il y a des guettes dans la tour! Protégez le cœur de la colonie. Bon, les guettes. Ah, c'est joué. Désolé si ça fait mal aux yeux, j'ai pas le choix. Qu'il ne veut pas mourir. Pourquoi j'ai entendu pitié, je ne veux pas mourir alors qu'il n'y a personne? C'est une blague. Ah non, c'est... Ah non, il n'y a bien personne, hein. Ouch.
mal, voyons. Désolé s'il y a beaucoup de bruit, je ne sais, c'est vraiment... Je vais essayer de regarder si je peux pas baisser le son des armes. Voilà, ça devrait être bon. Oh, un vaisseau gate. Bon, j'en avais déjà vu un dans le jeu. Nous devrions peut-être mettre Faidan au courant de la situation avant de nous rendre à la base des gates. C'est notre seul contact, un tant soit peu officiel. Ouais, ouais. Mais avant 2 secondes. On va pirater tout ça. Oh, une armure Krogan. Ok, ok. Pourquoi pas. Donc là, il faut retourner à l'endroit, au même endroit. Enfin, il faut retourner voir les... J'ai déjà oublié son nom, lui. Oh, my god. À Faidan, voilà. Ascenseur actuellement hors service. Bon, on prend les escaliers. Normalement, il doit être au même endroit où on l'a laissé. Hein. Je ne vois pas pourquoi il serait plus là. Est-ce qu'il est là? Il est là. La tour est sécurisée. Grâce à vous, commandant. Ne me remerciez pas. Merci de votre soutien et de votre aide contre les guettes. On les a ralentis, mais il en viendra d'autres. Aidez-moi à découvrir ce que cherchent les guettes et je vous ferai tout. Personne ne sait ce qu'ils veulent. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont attaqué. Leur base se trouve dans le complexe Exogénie. Vous y trouverez peut-être des réponses à c'est vos questions. C'est quoi ça, Exogénie? Nos patrons. Ce sont eux qui financent la colonie. Presque tout le monde ici. L'autoroute mène directement au complexe Exogénie. Non, c'est surtout l'armée de guettes entre ici et là-bas qui va vous poser problème. Je ne m'attendais pas à une partie. Très bien. Ensuite, nous reprendrons les réparations. Est-ce que vous savez comment les guettes ont organisé leur défense? Je sais qu'au moins un vaisseau guette s'est posé près d'Exogénie et j'ai vu des marcheurs sur l'autoroute. Le combat risque d'être rude. Qu'est-ce qu'il vous faut pour remettre votre colonie en état de marche? Être débarrassé des guettes. Je ne sais pas trop où nous en sommes à ce sujet. Les responsables de l'approvisionnement seront mieux placés pour vous répondre. Je peux faire... Macha Doyle essaie de régler le problème. Si vous avez des suggestions à lui faire, n'hésitez pas. D'où viennent vos problèmes? Allez plutôt voir May O'Connell. C'est elle qui s'occupe du réseau. Vous avez parlé d'une... Devin Reynolds est chargé de pourvoir à nos besoins en nourriture. Je suis sûr qu'il acceptera votre aide avec gratitude, si vous la lui proposez. Vous avez des infos sur les... Rien de nouveau. Sans être une question de vie ou de mort, sa destruction nous... J'aimerais qu'on... Bien sûr, commandant. Parlez-moi de votre colonie. La vie d'un pionnier est souvent... Les affaires coloniales estiment... Mais malgré tout, il se dégage une inexplicable sérénité de cet endroit. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. Et quelle était la taille de votre colonie avant l'attaque? Près de 1000 colons sur le site principal et 200 dans cette... Quand la première vague de guettes a pulvérisé nos défenses, nous nous sommes repliés sur... Le Normandie n'est pas très grand, mais il non. pourrait contenir... Les chasseurs guettes sont trop dangereux. Et nous ne retrouverons un tel potentiel de... Et quelle était la taille? Quand la première vague de guettes a pulvérisé nos défenses, nous sommes... Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur Exogénie? C'est Exogénie qui... Ils sont spécialisés dans la colonie. Leur objectif principal est de mettre la main sauf sur... Sauf qu'ici, des... il n'y a rien du tout. En tout cas, c'est peut-être ça que cherchent les possible. Guettes. Possible. Comme Arcelia vient de vous le dire... Cela dit... Jamais... Les guettes sont peut-être mieux... Je reviendrai quand... Bon, d'accord, d'accord. Donc on va aller parler aux personnes juste avant. Comment ça, carte de la zone? Faut que je reparle à Faidan, pourquoi? Éliminer les guettes, ouais. On va parler un peu à tout le monde, hein. Excusez ma femme, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Kalanta a besoin de repos pour accepter ce qui vient. Quel est votre rôle au sein de la colonie? Je suis médecin, enfin plus ou moins. Notre médecin titulaire a été l'une des premières victimes des guettes. Que savez-vous de cette planète? Pas grand-chose. En tout cas, c'est assez différent de ce que les affaires... Ce n'est pas si noir, remarquez. Quand nous serons débarrassés des guettes, je suis sûr que nous ferons de grandes choses ici. Qu'est-ce qui est arrivé à votre femme? Ces attaques répétées portent sur les nerfs de tout le monde. Elle s'y habituera, comme nous tous. Je peux peut-être faire... Non, quelque... elle a juste besoin de temps pour accepter. Ça ira. Parlez-moi de la colonie. Je n'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus.
devriez en parler à Faidan. Pourquoi Faidan? Faidan est notre chef. C'est lui le mieux placé pour répondre. Je vous en prie, mettez un terme à ces années. Tant de morts inutiles. Il faudrait... Je pense pas que ce soit si simple, hein, son mal de crâne, là. C'est vous qui avez repoussé. Ils reviendront, mais nous serons sans doute tous morts de faim avant. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Oui, il faudrait ajouter de la... Surtout à cause du mal, Alpha. Un énorme varenne qui attaque tout ce qui bouge. Je ne pourrai rien faire tant qu'il ne sera pas mort. Parlez-moi de Zeus, Hope. La colonie est en pleine croissance. Enfin, elle l'était. Mais vous devriez parler de ça à Faidan. Pourquoi Faidan? Je ne veux pas vous en parler maintenant. Allez voir Faidan. Parlez-moi un peu. Mon histoire est plutôt banale. Greta et moi, on est venus ici par... Niveau aventure, avant l'arrivée des Geth, tout se passait bien. On commençait même à apprécier notre nouvelle vie dans la colonie. On ne peut pas les chasser tout en repoussant les assauts des Geth. Le point positif, c'est qu'ils attaquent tout ce qui bouge. Même c'est ça. C'est surtout le mâle alpha qui pose problème. Il est très agressif et complètement imprévisible. J'ai un vaisseau. Je pourrais importer des provisions. Je préfère que vous vous occupiez des guettes. Avoir le ventre plein, ce n'est pas ce qui nous aidera. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Viande de varenne. Ok, il est dans les tunnels, donc il va falloir que je le trouve dans les tunnels, celui-ci. Ensuite que je m'occupe de lui. On va aller parler à Machad... on va aller parler un peu là-bas, à Greta Reynolds. Je ne suis pas une tireuse d'élite, mais je vais faire... Au moins maintenant... On va parler à Masha Doyle. Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de parler, j'ai une pénurie d'eau sur les bras. Je peux peut-être faire quelque chose? Le local technique a été le premier bâtiment à trouver les conduites et rouvrir l'arrivée d'eau. En attendant, la colonie est à sec. Mon vaisseau est à... Cela ne résoudrait pas vraiment le problème. Sauf si vous comptez faire des allers-retours jusqu'à la fin de vos jours. Nous devons être... Parlez-moi de la colonie. Nous sommes un petit groupe rattaché à la colonie principale. Enfin, allez plutôt parler à Faidan. C'est lui qui... Qu'est-ce que vous savez sur cette planète? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Demandez plutôt à... Parlez-moi un peu de vous. Non, ce n'est ni le lieu ni le moment. Aidez-nous si vous voulez, sinon laissez-moi faire mon travail. Je dois y aller. Bonne chance. Ok, donc l'eau, l'air, la vie. Dans les tunnels également. On range ça. Beau boulot, dites donc. Par contre, sans accu, on n'est pas tiré d'affaire. Et si je vous rapportais quelques accumulateurs du Normandie? On doit en avoir en rab. Votre vaisseau, c'est le top du top. Pas comme ce tas de bouse, là. Non, ce sera pas compatible. Si je trouve quelque chose... Merci, commandant. Les accumulateurs... Dans les tunnels, bien entendu. Les draps. Bonjour, commandant. On m'a prévenu de votre arrivée. Tout ce que... Montrez-moi j'ai... ce que avec vous avez... plaisir. Je suis... Alors, qu'as-tu à vendre, mon cher? Fusil de précision. Pas énorme, énorme, mais... Regarde. On achète la licence. Hein. Okay. On va faire un peu de vente, par contre. C'est parti! Vous inquiétez pas, je sais ce que je vends. Tout plein de fric! Et je garde juste les X. Parce que sinon c'est pas marrant. Alors, les... on va parler à notre chère Anama Moura. C'est vous le commandant du vaisseau qui vient d'arriver? Qu'est-ce que vous savez sur la colonie? Je ne suis pas ici depuis très longtemps. Au départ, tout avait l'air normal, mais en fait, il y a... Comment ça, bizarre? C'est difficile à expliquer, c'est comme... Comment dire... Écoutez, allez... Qu'est-ce que vous faites ici? Moi? Je surveille juste le vaisseau pour qu'il ne lui a... Il ne peut plus voler, mais ça nous fait un abri quand les guettes attaquent. Vous avez l'air de surveiller quelque chose. Non. Enfin, si, juste un diagnostic du vaisseau. Il faut que je me remette, d'ailleurs. Dites-moi un peu plus et je pourrai... Non, merci. Vraiment. Je dois terminer ce travail. Laissez-moi. La fin finira par avoir raison. D'accord, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller descendre... Enfin, on va aller reparler à Faidan et on va redescendre dans les tunnels. Et ensuite, on s'arrêtera là. Comme ça, on aura fait un peu le tour de Féroce, on aura pris toutes les quêtes qu'il faut, etc. Après, c'est des quêtes annexes, quoi, mais voilà. Il y a 4 quêtes annexes à faire sur cette planète. Vous avez fait beaucoup pour nous, commandant. Mais n'allez pas croire que vous m'impressionnez. Parlez-moi de vous, Arcelia. Je faisais partie du service de sécurité. Le plus gros de mon boulot consistait à empêcher les gosses de taguer les murs. Je n'ai jamais été préparée à ça. La seule chose que je demande, c'est que ça se termine vite.
qu'est-ce que vous savez sur les Geth ? Je ne peux rien vous dire là-dessus. Demandez directement à Exogénie si je vous ai fait quelque chose ou bien c'est ma tête qui... J'ai de bonnes raisons d'être en colère. Depuis le début, on s'est fait... Ils auraient dû nous envoyer une petite flotte. À la place... Et vous n'êtes ici que pour les Geth, je parie. Qu'est-ce que vous savez sur Exogénie ? Pas grand-chose. Je m'occupais de la sécurité, rien de plus. Tout ce que je sais, c'est qu'ils pensaient trouver... C'est comme ça que ça marche. Ils aident les colons à s'établir et en échange, ça casse un peu le mythe du pionnier, hein ? J'ai pas grand-chose à dire. Arrêtez avec Veidan à chaque fois. Ils sont chiants. Ah bah non, c'est bon, je dis... Y'a rien à dire là, on dirait. Y'a plus rien à faire. Si je reparle à Veidan... Commandant, que puis-je faire pour vous ? Certains colons se comportent... Nous sommes une petite communauté, commandant. Nous ne sommes pas des soldats. Personne ne nous a jamais... Cette colonie est notre foyer. Les Geth viennent de détruire tous nos biens les plus chers sous nos yeux impuissants. Je reviendrai quand j'en saurai. Bonne chance, commandant. Ok, c'est donc on va aller dans les tunnels. Normalement, il n'y a rien d'autre à faire. Si j'utilise l'ascenseur, il va servir à quelque chose. On va aller voir. Oh, ça fait un chargement direct. L'autoroute protéine. Les éclaireurs, il faut plus tarder maintenant. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Qu'avons-nous à faire dans l'autoroute protéine ? Les tunnels. Tunnels. Tunnel. Tunnel. D'accord, ça c'est pour l'autoroute protéine. Non merci. C'est la quête principale, on la fera après. On va aller dans les tunnels. Et ensuite on coupera ces vidéos ici. Pourquoi ? Parce que j'ai envie. Combien de dégâts mon fusil à pompe ? Ah oui, il y a beaucoup de dégâts quand même. Beaucoup de dégâts. Oh ! Mon Dieu, ils sont partout ! Désolé monsieur le colon, enfin madame la colonne. Bon, utiliser un peu d'autres armes que mon arme principale. Ce sera trop facile. Hein. Nous sommes déjà dans les tunnels. Eh bien, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, mais surtout à vous abonner à la chaîne. C'était TheStead pour la chaîne Type HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.